tout cela a resservi. Mais quand ça? Pendant la pénurie, oui, ça, de 40, la guerre 39-40. Ça servit beaucoup, là. Maintenant, alors, c'est presque un musée. Ah oui, oh. C'est la dernière qui reste. La dernière qui reste. Mais les outils, ils datent de quand? Les outils, c'est très difficile à dire. Ils datent, je peux pas vous dire, moi j'en ai trouvé un petit peu dans les débris des mines que j'ai pu retrouver, récupérer par là. La brouette, elle. Ah, la brouette, c'est moi qui l'ai fabriquée. Bon. Il y a 15 ans. Et il y en avait beaucoup de ces mines individuelles? Mais enfin, mes parents étaient ici avant moi et ça fait environ 70 ans qu'ils le faisaient. Des exploitations familiales, il y en a eu partout. Partout, c'est ça. Parce que le charbon est à fleur de terre ici. On peut l'avoir en grattant avec une pêche. Mais est-ce qu'il y a du danger? Oui, il n'y a aucun danger ici. Il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de gaz du tout? Ah, il n'y a pas de gaz, le charbon est à fleur de terre. Alors c'est comme à la grande mine alors? Ah, la grande mine, je ne connais pas, mais enfin là, il n'y a pas de gaz. Un peu de gaz carbonique, de CO2? Oh non, jamais. Même. Les bêtes, ils viennent quelquefois? Les bêtes viennent bien ici, la clôture en fil de fer devant est partie. Elles viennent à se mettre au frais l'été. Et pas l'hiver. Ah, l'hiver étant pas au champ. Du charbon dans le Bourbonnais, cela peut étonner. Pourtant, dans cette région, il n'est pas rare de le voir affleurer en pleine campagne. Et il y a 100 ans, ici, à Saint-Hilaire, débutait l'exploitation des gisements de schiste bitumineux et de charbon. En 1959, on dut prendre la décision de fermer cette mine qui devenait de moins en moins rentable. Avec la crise de l'énergie, cette notion de rentabilité a sensiblement évolué. C'est ainsi qu'à 5 km de là, sur la commune de Bussière-les-Mines, la mine de Lomance est en cours de développement. Ses atouts, d'abord sa faible profondeur. On arrive directement en jeep dans les chantiers par un plan incliné. Et on est tout de suite dans le gisement. Et quel gisement ! La couche a plus de 4 mètres d'épaisseur. On circule facilement. La qualité des terrains permet d'éviter le soutènement habituel. Un simple boulonnage du toit suffit. Il est réalisé par cette foreuse boulonneuse. Les boulons sont encore mieux serrés dans la roche grâce à des cartouches de résine. Pour abattre le charbon à l'explosif, on fore des trous horizontaux. On y place des charges et on tire.
Alors la méthode consiste à tracer des galeries de 5 mètres de large, parallèles. On recoupe ces galeries par d'autres galeries perpendiculaires qui ont également 5 mètres de large et qui sont distantes de 5 mètres. Ensuite, on recoupe une nouvelle fois. De façon, ici, il reste des piliers de charbon. Oui. Là, on va recouper ici. Voilà les autres piliers. Voilà les piliers restants. Oui, mais alors, en somme, vous perdez le charbon des piliers. Ah, voilà. Alors, ces piliers-là, on ne pourra en principe pas récupérer le charbon. On va les torpiller, c'est-à-dire les effondrer, de façon à provoquer un effondrement général, mais de le provoquer nous-mêmes. Mais quelle est la proportion de charbon perdu, là? La proportion, enfin, nous pensons récupérer entre 75 et 80% du gisement. De charbon par mineur et par jour. C'est un rendement tout à fait exceptionnel pour les gisements français. Après avoir subi un premier broyage pour casser les blocs, le charbon est remonté par convoyeur jusqu'au jour. Ce charbon sert essentiellement à la production d'électricité. L'Omans n'occupe actuellement qu'une centaine de mineurs. Telle se présente cette mine en ce début de l'année 1967. Mais que prévoit-on pour l'avenir ? Les projets actuels, le projet sûr, c'est un projet qui tourne autour de 400 à 500 000 tonnes par an. Alors qu'en ce moment, vous produisez combien ? Actuellement, nous allons faire entre 150 et 200 000 tonnes. Et puis, nous avons étudié aussi un projet à 1 million ou 1 million et demi de tonnes par an, toujours, en changeant d'emplacement. Et c'est possible et souhaitable ? Enfin, il y a les possibilités, ouais. Au point de vue réserve, il semble qu'il n'y ait pas de problème pour faire 1 million de tonnes pendant une vingtaine d'années. Même peut-être plus. Au point de vue personnel, il y a déjà pas mal de personnel à Saint-Éloi. Et dans la région, je pense qu'on trouverait du personnel pour assurer cette production. Alors pratiquement, il y a un début de réalisation déjà pour cet accroissement. Mais pour monter à 400 000 tonnes, et nous sommes obligés d'entreprendre des travaux importants, ne fût-ce que pour l'aérage de la mine. Et pour arriver à 1 million de tonnes, il faudra toujours passer par 400 000 tonnes. Alors si ça peut vous intéresser, on peut aller faire un saut sur ce fameux sondage qui va nous permettre d'assainir notre mine et sur lequel nous comptons beaucoup. Effectivement, ce nouveau puits d'aérage était la condition de l'extension des chantiers.
Avec le développement de l'Aumance, le département de l'Allier retrouve une vieille tradition minière, intégrée depuis plusieurs siècles dans l'harmonieux équilibre de la région.